Salut à tous, c'est Nim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une méga rampe. Ça fait longtemps, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo les gars. Vous imaginez, 3 jours que j'ai pas sorti de vidéo les gars. Bah c'est normal les gars, c'était les fêtes et tout. C'était un peu compliqué, tout ça, tout bonne ça année. Bonne année à bonne tous, année. Voilà c'est la première vidéo de 2024 où je rêve là. Ah ouais, je suis dans la première vidéo de 2024, c'est ça qui est incroyable avec JR et Lams. Donc, effectivement, alors la salle Eden ne sont pas là, parce que tout simplement ils sont pas là, et voilà, c'est tout. Ils sont pas là, non, en vrai, ils sont pas là, mais ça va revenir avec la team parce qu'en fait, il y a la neige en ce moment et la salle, ils détestent la neige. Et la salle a le Covid, donc voilà, il est un petit peu malade. Voilà, voilà, bah voilà. Eden, il est enfin, Eden, comment il s'appelle, Costa, il vous a balance. Voilà, et voilà, la salle, il est un petit peu malade. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, il est malade, c'est la vie. Effectivement, faut donner des nouvelles aux abonnés, tout simplement. Voilà, les abonnés ont besoin de savoir, donc voilà, souhaitez-lui bon rétablissement. Bon rétablissement à la salle, mais heureusement qu'on a fait des vidéos en avance pour lui, du coup ça va un petit peu mieux, ça va. J'ai été le voir tout à l'heure, vous inquiétez pas, il va bien. Tranquille, tranquille. En tout cas, les gars. Ah bah, par contre, moi j'arrive pas à passer, les gars, donc je vais planer. Ouais, tout simplement. Moi j'ai plané. Alors, moi personnellement, j'ai plané aussi. Hein. Pareil. Alors, du coup, nous sommes avec le créateur, c'est JR. Alors, dis-nous, c'est quoi, niveau hard ou niveau babouin? Ça va, c'est l'argent. Moi, regarde, JR, je suis le dernier, j'ai envie de te dire, truc de fou. Voilà, truc de fou. Non, mais là, si tu maîtrises bien le R1, il est incroyable. Ça fait longtemps que je commence à rejouer. Je maîtrise bien le R1, mais malheureusement, j'ai sauté. Ouais, avec la neige, c'est bizarre quand même. Hein. Ouais, ça glisse. Ça glisse les loups. Allez, remets-toi droit. Ça fait un truc pas mal. C'est bon. Ok. C'est bon, je recommence à récupérer bien le R1. Et... mais le problème, c'est que des fois, t'as vu, tu sautes trop haut, enfin, trop loin et. Tu tapes avec l'arrière ou tu tapes avec l'avant, c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, ça va, je suis passé. Ouais. Ah ouais, non, mais là, les gars, on le dit, j'ai. Bon, en fait. En plus, j'ai un écran incroyable maintenant. Tout à l'heure, je suis allé voir la salle chez lui, les gars, il m'a dit, franchement, je déteste faire des vidéos quand il y a la neige. Et ça en fait partie aussi, hein, les gars. Donc, je vous préviens. En plus, la neige, elle revient quand là? Le 6, non? Ouais, comme ça, bah, je crois. Ouais. Ouais, le 6 janvier, je crois, la neige. Waouh. Wow. On se fait qu'elle revient le 6, d'habitude, il est à part. Bah, il enlève le 6, c'est comme l'année dernière, hein, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière on n'avait pas fait de vidéo aussi quand il y avait la neige. On a fait pas beaucoup de vidéos et du coup c'est un peu dommage parce que ça dégomme. Mais là, il l'enlève ou il la remet? Bah, comment tu veux qu'il la remette? Elle est déjà là. je crois qu'il y a des années, ils enlevaient, ils la remettent. Ouais, vraiment. Ouais, ah ouais, parce que ouais avant disais, c'était bien parce que tu vois, il l'a enlevé, il la mettait pour Noël, il la mettait pour Nouvel An et ciao quoi. Mais là, ils la laissent pendant deux semaines. Ils sont à fond sur GTA 6, moi je te dis, c'est pour ça. Ouais, ouais, bah on a des infos, ce qui paraît, le cousin de JR travaille à Rockstar, donc il pourra nous en dire plus. Et à cause de toi, je suis tombé, merci. Et voilà. Et bah moi les gars, je suis allé trop loin, j'ai sauté. Et bah moi je suis 21ème, donc voilà. Premier à 11ème, c'est incroyable. Et moi je suis passé de 2ème à 10ème, et là je suis 7ème. J'ai la Asterop les gars, c'est le nouveau véhicule du DLC en plus, hein. Bon après on a déjà fait des méga rampes. Avec une véhicule du GC, mais regardez, le problème c'est que je saute trop loin. Ouais, il y a des gens. Non, mais là contre. Après, tu vas de deux en deux là. Et y a encore des gens en moto, les gars. Bah, tu vois, là je vais de deux en deux, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui bloquent. Ouais, il y a des gens qui sont encore en moto là. Mais moi, je veux juste dépasser la moto au cas où. Pas la fin, pas la fin, pas la fin, pas la fin. Ah, moi je peux pas. Moi là, je suis en voiture rouge là. Okay. Enfin, je suis en carine. Ouais, maintenant les gars, il y a les noms des voitures, ils apparaissent au-dessus du classement. Ah ouais? Ouais, c'est bah, je sais pas, au-dessus de la place, bah j'ai le nom de la ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, au-dessus de la place, ouais. Ouais, c'est vrai que ça apparaît. Je sais pas si c'est nouveau ça, j'ai pas fait attention. Peut-être, bah, y a moyen. Ouais, ça n'était pas avant. Dès qu'on récupère un véhicule, bah ça nommait c'est quoi le nom, donc c'est stylé, hein. C'est. Effectivement, là. C'est une star de Noël, je pense. Ah ouais, juste. En tout cas, pour l'instant, la méga rampe est plutôt sympathique. Ça se passe plutôt bien. Il y a un gars également envoyé dans les airs, c'est stylé. Ok, on a la Dominator GT, les gars. Dominator GT qui est pour moi un des véhicules incroyables de ce DLC. Ouais, en plus, j'ai vécu justement en bleu. Ah ouais, okay. La Mustang. Et là, je vais atterrir dans le trou où je rêve là. Non, c'est bon. Ok. En fait, ça dépend. Des fois, t'as de la vitesse et tu sautes dedans en deux, mais des fois, tu sautes un peu au bout. Et vous voyez, regardez, quand ça saute au bout, bah le problème, c'est que on le véhicule dans en freestyle et je vais tomber malheureusement. Bah, le problème. Voilà. Et voilà. On m'a des gommes. Waouh! Wow. Mais quand tu tombes, c'est la mort. T'as les avions, ils se croient au 3VS30, les gars. Là, la mort ou Chichi? Voilà. Les avions, ils dégomment en haut et tout. Ouais! Ils ont l'habitude. Et du coup, attends, parce que Enune, on a oublié de leur dire un truc. Ouais, dis-nous. On est avec un gars qui s'appelle Elams, mais t'es Elams de bande organisée ou t'es pas de bande organisée? Oh là là, j'arrête pas de tomber, les gars.
Ouais, c'est vrai, ça. La navigateur. Mais non, j'avais une... Ouais. Vas-y, vas-y. Non, je voulais dire juste qu'il y a le best-of de 2023 qui est sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir, les gars. Voilà, c'est vrai que je l'ai regardé, et si je peux me permettre, le moment le plus drôle, c'est quand même quand on était sur le bateau avec, avec la salle, je sais pas si tu te souviens, et qu'il y avait les vagues. C'était... D'ailleurs, on attend que tu fasses la partie 2, de... on doit aller chercher Eden en prison, Enune, là. Donc Écoutez, ça va arriver cette année, voilà, je le dis, en janvier, voilà. Sûr et certain, en janvier. Voilà, donc Eden va sortir en janvier, là on est les avocats, on est sur le coup. On est sur le coup. JR fait des parloirs fantômes, donc c'est ah, pas parce mal, que dis-le, t'étais absent pendant quelques mois, parce que avec la fuite d'Eden et tout, c'était un peu compliqué, il y a eu des gens qui l'ont retrouvé. En fait, la police, elle a retrouvé Kosla. Du coup, il était un peu vrai. En cachette en ce moment, là, pendant 2-3 mois, donc on n'a pas pu faire la casse, quoi, c'est pour ça le problème. C'est vrai, mais là on a réuni une bonne équipe, et je peux vous dire que là, les gars, ça va... On va le faire, hein, ouais, on a fait le plan. On a fait le plan. Le plan est déjà élaboré. Fini. Voilà, le plan est élaboré, mais maintenant il reste que la phase pratique. Hein, pourquoi t'étais absent que cela? Alors en fait, j'ai rencontré un chat dehors. Et bon, malheureusement, aujourd'hui nos chemins sont séparés. Un chat de gouttière. Mais voilà, c'est. Voilà. Mais c'est pas toi qui as trouvé une femme? Ah non, c'est Pedro, ça. Une femme qui mange du couscous, aussi, attention. Ah, c'est une femme qui mange du couscous. Pedro, on m'a dit que Pedro, il se tuait la rondelle dans l'évier avec sa femme. Donc, on lui passe Pedro. Le bonjour s'il reste Pedro. Les vidéos. Voilà, il est plus là. Il est plus là, il nous a quittés. Bon, par contre, les gars, je saute de truc en truc. Vous êtes classé combien de chiens, là? 15e. Bah, moi, je suis derrière toi, là, Hamza. Bah, là, je suis. Ouais, je suis là, là. Je suis en. Ah non, t'es. Ah non. Moi, je suis deuxième. Le gars est deuxième. Oh la vache, j'ai failli tomber à la fin, les gars. Moi, je suis 15e. Ah ouais, je te vois. Je suis passé avec toi, là. Salut. Ah ouais, Gire, elle a tous les véhicules custom, en fait. Ah bah ouais. Ok, les gars. Moi, les gars, je suis 6e, voilà. 6e, je suis avec Gire. 7e, ouais. Et pour le moment, ouais, regardez le problème de la neige, c'est que c'est sombre et tout. C'est dommage. Moi, les gars, je suis 13e, hein. Et je rattrape, hein. T'es combien de moi, je suis tout 13e. Hein. Mais par contre, la meilleure méga rampe pour moi de JR qu'il a fait sous la neige, c'était à l'époque la méga rampe toboggan il y a un an ou deux ans, je sais plus. Et elle était vraiment incroyable cette méga rampe. D'ailleurs, même la salle l'avait fait, je crois, aussi sur sa chaîne. J'en avais fait une et la salle une, ouais. La première, ouais, c'était une année ça. Elle était vraiment incroyable celle-là parce que quand tu mettais le quad et tout, je me souviens, c'était automatique, c'est ça, JR. C'était automatique. Et... Ouais, t'enlevais les roues puis ça passait. En fait, c'était automatique, photo catmatique. Waouh! Voilà. Exactement. Il y avait un... Ouais, pas mal. J'aime bien. Bon, je vais aller un peu vers l'avant. Oh, j'aurais pas dû faire ça, les gars. Ok, on a la voiture banalisée, là. Ouais, j'ai la voiture de police banalisée. On dit mieux que l'officiel, hein. Waouh. Je vais trouver... Non, c'est catastrophe. J'ai failli tomber, moi. Les gars, je suis en train de descendre la rampe bizarrement. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Eh ben non. Eh bah ben non, ça tiendra pas jusqu'au bout. Aïe 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 aïe, j'étais à la fin. Je suis deg. Le mec était à la fin, quoi. Allez, on met les gyros, les gars, c'est parti. Alerte générale, on va aller chercher Eden en prison. Transfert de Eden, c'est parti. Alerte générale. Bon, par contre, franchement, la mégrampe, elle est bien, mais elle est un peu hard. Elle est bien. Ouais, c'est les nouveaux éléments qu'ils ont mis, ils sont un peu tordus. Enfin, c'est pas tordu, ouais, c'est l'angle. Ouais, en fait, non, le problème, c'est pas ça, c'est que... Voilà, regardez ce que ça fait. En fait, le véhicule, il rebondit et du coup, quand t'atterris sur la deuxième rampe et que t'es un peu sur le côté, et bah tu sors, quoi. Bah ouais. Mais sinon, elle est pas... Faut rester au milieu. Waouh ! Ah ouais, il a écrit 3 VS30, il m'a soulevé. Bon, par contre, là, avec le voiture banalisée, j'arrive plus à passer, les gars. Je suis passé de 5e à 15e. Et bah moi, je suis avec la banalisée aussi. C'est la bague de Sartrouville. Alors, est-ce que les gens restent au milieu? Eh ben, tu sais que j'ai one shot, hein. Avec la banalisée? Ouais, je suis 11ème. Ah, ouais. En fait, j'ai one shot et... J'ai one shot, voilà. Une omelette one shot pour ceux qui ont la ref. Une quoi? Omelette one shot, t'as pas la ref du gars qui a fait manger un AirPod à un mec dans son ventre et après il allume le Bluetooth? Non, mais par contre, j'aimerais bien passer. Allez. Ouais, c'est bon, ça passe. Bah, les gars, par contre, la neige, c'est. Si on gère avec le 4x4, c'est vraiment horrible la neige. Hein. Ah, ouais, bah, c'est pas fameux, hein, c'est pas fameux, c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup d'activités en ce moment. C'est la neige, c'est un peu cata.
Bon, en tout cas, c'est pas grave, on est parti, on est stali, on est mali, on est fali, on est zali, on est zoli, ladies and ladies. Allez, c'est parti, ouh, les gars. Y a un gars qui s'appelle Tintin, quoi. Ouais. Bah lui, ah, je sais qu'il a testé déjà. Milou, y a Milou ou pas? Je sais pas, mais en tout cas... Bah, les gars, j'ai rattrapé Elams. Non, je te jure, mais je suis que tombé à la fin. T'as pas vu la vitesse où je suis passé? Ok, je suis en 4x4, les gars. Il s'appelle le. Ouais. Ah, j'ai pris de l'an avec l'avion. Alors, le 4x4, t'as l'impression que tu vas bien. Wow, regarde. 8ème, 7ème. Ok, ah, le 4x4, pour l'instant, j'ai pris l'aspiration. J'ai non, atterri. J'ai explosé en bas, les gars. En 4x4. Aïe. Le respawn, tu vas être 17ème. Waouh. Je suis 15ème. Oh là là, les avions. Oh, Momo il s'est suicidé en haut. Les gars, j'arrive pas à me mettre droit. Bah voilà, je suis tombé. J'arrive pas à gérer avec le frein à main, hein, alors pourtant je le fais bien, tu vois. Mais ça me. Après, les gars, Unune est la salle et Eden, je sais pas, mais il joue avec le frein à main inversé. Vous savez que moi je trouve ça deux fois plus dur de jouer avec le frein à main inversé que le frein à main. Ah ouais non, normal. Moi, ah ouais, R1 pour moi c'était. R1, ouais. Ouais, R1 c'est incroyable. Vous jouez R1 vous? Ouais. Mais non. C'est largement mieux que Croix. Moi, franchement, je préfère Croix. Oh là là, c'est qui ça? Il va me faire tomber. Oh là là. Allez, repositionne-toi. Repositionne-toi. Eh ben, je suis tombé. Merci. Avec un qui était bloqué en bas. Enfin, bloqué en plein milieu. Et du coup, bah moi, je suis en train de penser à un truc. C'est que là, Nuin, il était bien au début, mais là. Ouais. Et bah malheureusement je n'ai pas de chance hein. Tu sais c'est la chance, on appelle ça la chance dans l'ambulance. C'est même pas une question de maîtrise. Parce que regardez, là je gère le frein à main, regarde. Je vais gérer le frein à main. Ouais mais c'est le 4x4 non? Non même avec les autres véhicules hein. Oh mais le 4x4 il rebondit tu vois. Il rebondit bizarre je crois. Ah là comme par hasard ça passe bien. Ouais. Bon je veux montrer comme ça passe bien. Comme par hasard bien sûr non. Ok je suis 15ème. Bon. Faut que j'essaie de faire top 10 les gars, faut que je rattrape là, faut que ça tombe. Mais bon, j'ai un peu du mal avec le 4x4. Bah moi j'essaye de faire top 10, je suis top 11 mais Moi je suis 10ème hein. Moi je suis 3ème et y a un avion là qui crash devant. Attendez les gars, je vois Elams il est niveau 8000. Alors Elams, on aimerait bien savoir tes heures de jeu, de combien de siècles t'as passé sur GTA pour être niveau 8000. Depuis 2015, j'ai mon compte. Donc sur Rockstar, vous passez par là, bannissez lui son compte, c'est un tricheur. Ok, par contre, les gars, à mon avis, le vous de eux. Non! Oh! Il a peut-être pas fait ça pour rien, le gars. Il m'a shooté dans les airs, mais ça m'a. Allez. Ah bah, j'ai fait tomber quelqu'un avec moi, je crois, dans la chute. Oh, attendez, les gars, parce que là, je peux vous dire que je suis en train de passer tel un passeur. Attendez, il y a combien de niveaux 8000 là? Je suis en train de. C'est quoi? Wouah! Il y a 4 niveaux 8000! Ok. Bon, les gars, je suis 11ème. Non! Il va pas me dégommer ma course, lui aussi. Oh là 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 là, il atterrit sur moi. Allez. Oh, y a Delta. Delta, non, pas Delta. Delta Charlie. Allez, mais remets-toi droit. Oh. Oh, il a explosé, les gars, à côté de moi, c'est stylé. Je peux pas gérer le véhicule. Ouais. C'est bon. Ok, j'ai réussi à rattraper. Oh, je sais même pas comment j'ai fait. Ok. Ok. Ok, guys. Okay. Waouh! Wow. Alors les gars, j'ai fait une rattrapada. Écoute, Elune, je suis juste derrière toi là et. Fou, ça va le faire, hein, je pense. T'es combienième toi? Bah, derrière toi, 13ème. 13ème, oh, ok. En fait, t'es juste à côté quoi. Allez, on fait le top 10 là, let's go. On fait le top 10, on rattrape. Là, ça va, c'est bien passé, c'est passé du premier. Vraiment, c'est vraiment stylé les noms à droite là au-dessus du classement. En vrai de vrai, c'est pas mal. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que tu connais les noms des véhicules. Il y a tellement de véhicules, ouais, parce que j'ai voilà, c'est ça, il y a tellement de véhicules que des fois on oublie les noms, et là, bah, ça nous permet de. Allez. De simplement les récupérer. Et bah, j'ai jaloux Lucas qui finit. Ah, j'ai rien dit, hein. Il y a eu des Antomanes, donc. Ouais, bah, Tintin, Lou, Scozio. Ah, bah, il a Anto, oh là là. Bah, oui, il fallait pas les inviter, les Anto. Ouais. Alors, nous, on n'a pas Anto, par contre, hein. Je crois qu'il me reste. Peut-être qu'il me reste deux véhicules, ouais, je pense. Ouais bah moi aussi j'ai la voiture de je sais pas voiture d'époque hein. La Impaler là je sais quoi. Ouais. Bah des gommes dans les airs. Oh. Elle c'est l'avant-dernière ouais. Ouais je crois que c'est ça moi j'ai la le véhicule un peu qui date des années de twist. Ouais. Je vais atterrir sur quelqu'un peut-être voilà. Je pouvais pas esquiver.
Mais on remaîtrise avec le frein à main, allez. Eh voilà, un avion qui bat. Ah ouais. C'est bon. Maîtrise avec le frein à main. Bon, par contre, il va pas vite. Hein. Bah, je pense que tu vas faire le top 10, hein, parce que moi je suis 11ème. T'es tombé? Non, non, je suis en pleine descente. Bah, moi je suis passé ça, je suis 10ème là. Allez, top 10 c'est fait. C'est parfait, c'est parfait à Dadoudou, c'est parfait à Didado. Par contre, à mon avis de vous, là pour être au-dessus du top 10, ça va être compliqué. Il y en a un qui a fini et on est au point final. La méga rampe est incroyable en tout cas, j'ai bien aimé. Bon, faut savoir maîtriser un peu le chemin. Écoute, derrière toi, hein, tombe pas parce que sinon le top 10 il va être pour moi donc. Ladies and ladies, c'est Tintin qui finit 3ème. Et Milou qui finira peut-être 4ème. Même pas, ce sera JR. 4ème, ouais, je vais finir là. Bon, faut qu'il tombe pas. Ah ouais, tout le monde en finit. En plein dans le 1000. T'es combien, t'aimes, du coup, Costa? 11ème. Allez. Juste derrière toi. Quoi le dernier véhicule là? C'est la dernière voiture. La super sportive là. Elle est magnifique, hein. Alors, moi j'ai la super sportive aussi, j'en ai passé pas mal des trucs là. Non, ça m'a mal atterri. Oh là là. Oh là là, moi aussi. Ah, la barrière termine là. Allez. J'essaye de me remettre droit, mais. C'est bon. Oh là là, est-ce que je vais voler la place de Nuin? Est-ce que je vais voler la place de Nuin? Allez, regarde sur ta gauche. Mais c'est bien. Wow. Ah bah voilà. Adieu, Kosla. Wouah. Attendez, c'est pas fini. Wouhou. Allez, le frein à main, le frein à main, Kosla. Eh ben il finira 10ème et moi 11ème et bien ça joué. C'est pas mal. Sauf si quelqu'un le pousse à la fin, mais il n'y a pas de... Il essaie de me pousser. Et le 10ème, voilà, j'avais dit top 10, malheureusement j'aurais pu faire beaucoup plus mieux que ça, franchement. Ah ouais. Ouais, ça va, j'aurais pu faire mieux en vrai.